Pierre Richard est venu nous présenter son premier one-man show dans le cadre du festival et les critiques s'accordent à dire que c'est un spectacle touchant et drôle à la fois. En fait, Pierre Richard, il est drôle tout le temps, même en conférence de presse, quand une journaliste lui a demandé combien de claques sur la gueule il a reçu dans sa vie. Bon, j'ai dû en recevoir 7600. Non, surtout, j'ai commencé très jeune. Ma mère était très... j'avais un entraînement. En plus, elle faisait du tennis. Alors, de temps en temps, je recevais des coups droits et de temps en temps, je recevais des revers liftés. Vous savez, qui remontent la joue comme ça. Vous voyez, il faut la prendre comme ça et elle remonte la joue. C'est cette semaine qu'avait lieu la première du spectacle de Pierre Richard et je l'ai rencontré pour vous. Voici ce que ça donne. On a de la grande visite avec nous. Je suis en compagnie de Pierre Richard. Bonjour, bonsoir, M. Richard. Nous sommes honorés de vous recevoir à l'émission, M. Richard. Merci. La glace est brisée avec le public québécois. Ça va, on se sent mieux, c'est fait. Bon, j'étais complètement, impressionné, ému même. Je me suis, tous ces gens qui se sont levés, je me suis dit, qu'est-ce que je fous à Paris? Moi, je reste pas ici. Je peux pas croire, vous êtes pas incompris à Paris quand même. Non, pas du tout, mais à ce point-là, j'étais vraiment, j'avais envie de partir tout de suite d'ailleurs. Je me suis dit, ça suffit, je ne ferai pas mieux après. Ben, je vais vous rappeler de bons souvenirs parce qu'on va regarder justement votre entrée sur scène, on voit votre ovation et un bout de votre numéro de ce soir. Quelle soirée, monsieur! Non, c'est pas parti! Aïe! Quelle soirée, monsieur! Soyez-vous, je suis vraiment impressionné. Soyez-vous, on va chanter un peu. C'est parce que... Ça va-tu? Ça va-tu? Êtes-vous correct? Avant le début du texte, l'acteur burlesque est déjà à fleur de peau, tandis que le classique est encore qu'un pot de fleurs. Le classique prend son élan quand le burlesque tutoie déjà les étoiles. Parce qu'entre nous, Shakespeare, le grand Shakespeare, vous retirez le texte... C'est un bijou de numéro. Ben, merci. Mais non, mais je suis pas souvent à l'aise sur scène, surtout comme ça, là, parce que j'ai jamais été de ma vie dans une scène aussi grande. Même à Paris, les scènes sont pas si grandes, et de toute façon, j'ai jamais vraiment fait ce qu'on pourrait appeler du musical à ce point-là. Et heureusement, il y avait Laurent qui était formidable, j'étais à l'aise avec lui, voilà. Si j'avais pas été à l'aise, j'aurais été traqué et tout. Grâce à lui, et puis aussi grâce au public, très vite, je me suis déstressé. Mais oui, c'est à Paris. Hein? C'est de très bon augure pour votre spectacle qui sera présenté au TNM, Détournement de mémoire. Ah ben oui, si. Bon, je demande pas une standing ovation tous les soirs. Hein. tous les deux, mettons. Effectivement, je vais y aller avec le cœur au ventre, en pleine forme. On vous remercie beaucoup et on vous souhaite un excellent festival.